Radio. After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi ce soir. Narges, bonsoir Narges. Salut. Bienvenue. Jenono est là aussi. Salut Jenono. Salut. Et Yérim dans la maison. Salut. Salut, bienvenue à toi. Également, on va comme d'habitude parler de toute l'actu et de toutes les sorties rap français de ce vendredi 15 novembre. Mais d'abord, on va revenir sur un album sorti la semaine dernière. C'est l'album de Chiche. On n'avait pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Franco Sitch. Et on en parle après avoir écouté le titre Ragnar en featuring avec Al Capote. Bienvenue à vous, c'est parti pour After Rap. Je sens Berlin, je perds leur petite vermine. Assez l'heure, on a frista, j'étais le mien. Extrait de son album Franco Sitch sur Move, c'était Ragnar Chiche featuring Al Capote. 20h-21h. After Rap. Move. Et ouais, c'est After Rap et on va parler de cet album, le dernier album et premier album aussi de Chiche. Pour en parler avec moi, je l'ai dit, Narges, Jenono ainsi que Yeri. Mais on a un auditeur aujourd'hui qui nous dira aussi ce qu'il en a pensé. C'est Lilian, il a 19 ans, il nous vient de Dijon. On va l'accueillir dans un instant, mais d'abord je vais vous demander à vous ce que vous en avez pensé. On va commencer par toi, Jenono. C'est parti. Déjà, je tiens à dire que tu prononces parfois beaucoup mieux les titres en allemand qu'en français. Donc bravo. Belle prouesse. Franco Sitch. Ouais, c'est clair. Donc, au sujet de ce projet, bah déjà, c'est vrai que tu as une vraie ambivalence entre les titres un peu trap et les titres beaucoup plus chantés. Moi, perso, je l'ai préféré sur les titres plus chantés parce que je trouvais qu'il amenait peut-être quelque chose d'un peu original et nouveau, alors que sur les titres trap, ça ressemblait peut-être un peu plus à ce qu'on pouvait entendre ailleurs. Mm-hmm. Pour moi, la réussite sur ce projet-là, c'est la façon dont il s'adapte au featuring, dans le sens où, pour moi, tous les feats ont du sens et à chaque fois c'est lui qui va vers l'univers de l'invité et c'est pas le contraire, il cherche pas à le faire rentrer dans son univers à lui, c'est lui qui s'adapte et il profite justement des feats, j'ai l'impression, pour s'ouvrir un petit peu et pour sortir de cette ambivalence entre titre trappé et titre chanté et pour aller vers des choses un peu plus ouvertes. Donc voilà, on retrouve Al Capote en tout cas qu'on a entendu sur Ragnar. Il y a aussi Sheila sur le titre Jusqu'à Demain, Zaina sur I Love You et Joker son gars sûr sur Nirvana. D'ailleurs c'est le dernier clip de Chiche en date. Narges, qu'est-ce que t'as pensé toi de cet album? Je suis assez d'accord avec ce que dit Jenono. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que pour le côté chanté, moi j'ai aussi la sensation qu'en ce moment on a un retour du R&B à la française et que c'est notamment porté par pas mal de chanteurs de R&B, mais aussi par des rappeurs dont Joker fait partie. Et c'est vrai que c'est clairement, à mon sens, les titres qu'il a pu proposer, en tout cas Chiche sur ce projet, c'est clairement des titres qui s'inscrivent dans une veine R&B et je trouve que sur ce registre-là, c'est hyper intéressant et je vous cache pas que le titre, en tout cas Nirvana, c'est l'un des titres que j'ai le plus aimé parce que c'était pour moi, enfin, je dirais pas surprenant, mais en tout cas, je trouve que le duo marche hyper bien. Est-ce que vous avez quand même une préférence ou vous kiffez autant quand ils chantent que quand ils rappent? Justement, on en parlait juste avant qu'on écoute le titre avec Jenono et effectivement, moi je disais que j'aimais bien aussi quand il était sur des titres comme Ragnar où c'est plus rappé parce qu'il y a un côté beaucoup plus brutal et que je trouve que le feat marche extrêmement bien, donc j'ai un peu du mal à me situer, je dirais que j'aime bien les deux. Bien en fait. Les deux, c'est, ouais. C'est, tu peux aussi y aller, qu'est-ce que t'as pensé de Franco Sitch? En fait, alors je trouve pas forcément que c'est un truc nouveau, parce que pour moi, enfin je veux dire par rapport à ce que t'as dit sur le côté retour du R&B et tout, parce qu'en fait pour moi c'est juste un énième prolongement de ce qui germait déjà au tout début de la MZ, en fait, c'est cette alternance. Ouais, clairement, clairement. Mais pour le coup, eux étaient peut-être un peu plus spécifiques en leur temps. Mm. Mais là, du coup, ouais, ils continuent en fait à prolonger ce style-là, donc avec toujours cette alternance rap-chant tout le temps. Moi, perso, je le trouve pas dégueu quand ils chantent, mais c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. Donc je préfère quand ils rappent. Après, ouais, Nirvana, j'aime bien, mais c'est parce que ça m'a surpris que ce soit vraiment de la reprise de Gynéco. En plus, en retravaillant la base du sample, avec vraiment, ils ont laissé traîner le piano et tout, Joker, il s'éclate dessus. Donc voilà, après, pareil, tu vois, dans le côté prolongement de la nébuleuse MZ Joker, t'as le côté la chanteuse Zaina qui revient, et t'as... Alors après, voilà, c'est pas un foudre de guerre au micro, mais
ça va, tu vois, il gère plutôt bien sa voix. Après, alors, il y a une rime, par contre, qui m'a fait sourire, c'est donc il a Chilla en invité. Mm-hmm. Et donc, Chilla, elle s'est mise un peu dans... pas son univers, mais en tout cas, elle a un couplet qui se veut un peu plus sombre, un peu plus introspectif, où elle parle de sa crise d'ado, tout ça, quand elle volait dans des magasins et qu'elle ratait ses examens, etc. Et à un moment, elle dit, ouais, j'estime tous mes frères, car aucun ne m'a convoité. Et je me suis dit, fasse pas un vrai compliment, ça, tu vois, parce que. Enfin, elle est pas moche. Donc, je sais pas, tu vois, je m'appelle. Et parce qu'ils sont respectueux. Ils sont tellement respectueux. Ils sont tellement respectueux qu'ils ont la voix comme une mauvaise pensée. T'as mal compris. T'as mal interprété. D'accord, il a la voix comme. Elle est tellement pure qu'ils ne pensent jamais à mal. Et tout. Ouais, d'accord. Okay. C'est, au moins, ils ont pas tenté ou ils ont pas fait d'approche balourde. C'est ça. Donc c'est déjà pas mal, parce que je pense qu'elle doit tomber sur beaucoup de relous au quotidien. Ce que dit Yérim, c'est qu'elle, elle pense que c'est parce qu'ils sont respectueux. Mais lui, il dit que c'est peut-être pas à cause de ça. Ah, d'accord. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça, putain. Non, trop pas. Mais j'avoue, ça aurait pu. On saurait plus, en tout cas. D'accord. Du coup, maintenant, on va faire intervenir ma mène Lilian. Il a 19 ans, il nous vient de Dijon. Salut mon pote, salut Lilian. Salut, bienvenue sur Move, bienvenue dans After Rap. Lilian, alors dis-nous ce que t'as pensé de l'album Franzosic. Alors en fait, moi j'avais écouté par curiosité, en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été super surpris parce que j'ai beaucoup aimé, il y a une vraie ambiance. Puis ouais, comme vous avez dit, il y a une vraie versatilité en fait, il s'est rappé, il s'est chanté, un peu comme Joker quoi. Et vraiment ça m'a plu. Et toi t'arrives à passer d'un univers à l'autre, quand il chante ça te va aussi bien que quand il rappe? Absolument. D'accord, très bien. Donc, c'est ton analyse, quoi. Les prods, qu'est-ce que t'en as pensé ? Il y avait plus ou moins le même univers à chaque fois, quoi. C'était assez sombre, c'était parfois plus trap. Mm-hmm. Et bah, pareil, c'est le genre d'instru que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment apprécié. Il avait déjà sorti des projets Chiche volume 1, Chiche volume 2, tu connaissais ou pas du tout ? Non, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais rien écouté du tout avant. D'accord. Bon, bah alors, tu écouteras ce qu'il fera par la suite, j'imagine. T'as été convaincu par ce premier projet. Très bien. Eh bien, merci à toi pour ton intervention, Lilian. Tu reviens quand tu veux dans After Rap. On va continuer avec l'album de Dadju maintenant, puisque je pense que vous avez tout dit sur Chiche. Et c'est After Rap, mais on passe un peu en mode After R&B. Nergès, dis-nous un mot quand même sur cet album, ce dernier album de Dadju, qui sera bientôt d'ailleurs au Parc des Princes. Il a rebaptisé le Parc du Prince, Dadju. Ouais, il a rempli, enfin, 5000, il a vendu 5000 places en 5 minutes. Ouais, il était très content sur les réseaux. Donc voilà, ouais. Effectivement, très content, mais c'est quand même c'est mérité, mal, hein. C'est mérité en plus. Ouais. Du coup, nouvel album de Dadju, sur lequel en termes de feat, il y a notamment Nekfeu qu'on vient d'entendre. Ouais. Ça, c'est une belle surprise, je pense, pour le public. Qu'est-ce que t'as pensé de la... Parce qu'on va surtout parler des feats. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon titre de pop, voilà, où Nekfeu fait du Nekfeu et voilà, et Dadju est super sur le titre. Donc je trouve que la config, elle marche hyper bien. Après, c'est clair que moi, le titre que j'ai le plus préféré, on va dire en termes de feat, c'est avec un rappeur, parce qu'il y a aussi un feat avec Taïk. Mmh. Et là, c'est vraiment du R&B, titre très cool d'ailleurs. Mais c'est le titre qu'il a fait avec Kobalade. C'est moi qui ramène l'argent de moi, elle dépend. C'est qu'il repose en paix quand je la démonte. Elle est monnaie contactive quand je décapte. Voilà, le morceau s'appelle TPB, comme TPB. Pas Beyoncé. Voilà. Voilà, c'est toujours cool d'entendre voilà, Koba parler de ce Rolex. Et puis cette face sur elle a le cul, je sais pas, plus gros que le monde ou un truc comme ça. Ronde comme le monde. Ronde comme le monde, il y a toujours. De la poésie. De la poésie, c'est très très cool. Et ouais, j'aime bien le côté plus énervé de Dadju sur ce morceau et la façon dont justement Koba il arrive avec ses voilà, je trouve que ça marche bien. Voilà, le prince Dadju qui va encore tout déchirer certainement avec cet album. J'ai vu qu'il y en avait certains qui critiquaient quand même dans ses gros fans sur les réseaux, sur Twitter. Là, ils sont un peu déçus. À titre perso, je vois. Ouais, après, c'est peut-être le côté aussi, tu vois, quand il est arrivé avec Gentleman 2.0, c'était vraiment. Classique sur classique. Ouais, c'est ça, le projet a vraiment, vraiment marqué. Donc, c'est toujours, je pense, pour les fanatiques, le côté, c'est difficile d'accepter parfois. Je pense que les fanatiques de Gentleman 2.0 se rendent pas compte de tous les tubes qu'il y a sur Poison encore qui vont sortir. Ouais, c'est ça en fait. Et surtout ceux-là qui vont. En fait, tu te les prends une première fois. Puis je pense que clairement, là, quand en écoutant tout l'album, tu te dis qu'il y a quand même un gros potentiel en dehors des feats rap. Tu m'as avoué qu'à l'écoute de cet album, tu te penses que Dadju,
a eu une vie sentimentale tumultueuse ou je sais pas, mais ça a l'air compliqué pour reprendre son titre, voilà. C'est vrai, parce qu'on dirait dans sur les réseaux, il a une vie de famille posée, mais c'est vrai que dans l'album, il parle de trucs. Il est toujours dans des histoires compliquées. Voilà, bah, comme après, le morceau on sait jamais si c'est réalité fiction. Pas, bah, voilà. Il joue là-dessus. Maintenant qu'il a des groupies en pagaille, il doit bien leur faire croire qu'il est accessible. En tout cas, grosse pensée aux mères de famille qui ont mis l'album ce matin en emmenant les enfants à l'école et qui sont tombés sur le couplet de Kobalade. Ça a dû bien les réveiller. Ouais, mais bon, ça leur fait du bien à un moment. Du bien, je sais pas, mais... Elles connaissent Kobalade, t'inquiète pas, les mères de famille. En tout cas, nous, on va parler de DAV, là. On va aller faire un tour en Belgique. After Rap. Move. Et ouais, c'est toujours After Rap avec moi. Bien sûr, Narges, Jenono et Yerim. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de l'album du bruxellois DAV. On attaque par toi, Yerim. Dis-nous ce que t'en as pensé. Déjà, j'aime bien ces choix d'instru, parce qu'il y a un côté souvent un peu plus électro que d'habitude. Après, ouais, sinon, il est dans la tendance actuelle. Quand par exemple, il est en featuring avec Damso, t'as pas l'impression qu'il se fait bouffer ou quoi, ça reste bien. Alors après, ouais, pareil, quand j'ai vu les deux featuring de Romeo Elvis, qui en plus s'enchaînent dans le tracklist, je me suis dit... audacieux, mais même ça va, tu vois, c'est surtout c'est sur celui c'est Hood qu'on vient de passer, ça. Autant l'univers de Damso il est plus proche de celui de DAV que celui de Romeo Elvis. Ouais. Quand même. Après Romeo Elvis, il avait dit dans un freestyle qu'il a dit je connais des négros, peut-être qu'il parlait de lui, je sais pas, tu vois. Mais tu peux pas dire ça. Et en plus, il avait dit sur une autre radio, dans un autre freestyle. Ah, c'est possible. Mais en tout cas, ça c'est Hood qu'on vient de passer. Oui. Bah sur celui-là, par exemple, tu vois, ils sont au diapason les deux. Ils se sont amusés à être techniques, à sortir des petites phases et tout. Et j'avoue que même Romeo Elvis, il m'a fait gaulerie, tu vois, quand il dit j'écoute du Dossé, j'écoute du Indochine, un truc comme ça. Ah oui, il y a cette phase. Ça arrive de nulle part, c'est juste marrant et tout. Donc ouais, non, ça j'ai bien aimé. Et Pascal, je pense que t'as pas bien écouté l'album parce que... Mais si Bah, tu sais que t'es dedans. Mais oui. Ah, donc t'as craint, d'accord, ok. Pascal Sofran. Sur le morceau de District Fighter. Exactement. Mais bien sûr, de moi-même. Parce que du coup, il dit quoi, je suis le boss de ma génération, un truc comme ça. Voilà, et du coup, voilà. Parce qu'il est pas au courant, en fait. Tout le monde s'en fout de moi. J'ai changé de radio. Je pense que t'es toujours. Il sait pas que j'ai changé de radio, effectivement. Mais du coup, il fait un name dropping qui repose sur le jeu de mots génération. Comme la rime est belle, comme la dédicace est belle, je la prends volontiers. Si c'est pour mon ancienne radio. Voilà. Il y a aussi un autre titre avec Romeo Elvis, quand même, qui est dans une autre vibe. Tu en parles. Ouais, qui est différent. Extrait. 7 grammes, 8 grammes, 9 grammes, trop de lance pas, je me mélange pas, je suis parano, Non, c'est pas parler aux jeunes. Ah, franchement, les deux feats avec Romeo Elvis sont très bien. Moi, je trouve à titre perso, que ce soit le morceau vénère ou le morceau un peu plus cool comme celui-ci. En tout cas, vous dites-nous ce que vous en pensez. Ginono, dis-nous ce que tu as pensé des collaborations et de l'album de DAV. Sur les feats avec Romeo Elvis, notamment, je trouve son choix de registre intelligent parce qu'il part sur des titres qui sont plutôt street. Alors que bon, t'invites Romeo Elvis, tu te dis je vais pouvoir faire un tube ou un morceau un peu plus pop et en profiter justement pour peut-être péter un peu plus. Et lui non, il va sur ce qu'il fait habituellement, sur des trucs voilà, un peu plus street, un peu plus kické. Donc c'est bien. Ensuite sur l'ensemble du projet, il y a un peu le même type d'ambivalence que chez Chiche, avec des morceaux un peu plus nerveux et des morceaux un peu plus pas forcément chantés, mais peut-être un peu plus planants ou un peu plus posés, comme Fujis par exemple. Et dans la structure du projet, je trouve qu'il a fait ça intelligemment parce que les titres un peu plus énergiques sont placés plutôt en début de projet. T'as, je ne me rappelle plus tous les titres, mais tu as Jack Miel, des morceaux comme ça, Skunk aussi je crois, qui sont assez, assez punchy. Et sur la fin, tu as les District titres... Fighter d'ailleurs, excellent morceau, voilà, on rappelle exactement. Encore une fois. Avec toute façon, dès que t'as ton nom dans un truc. Il va nous parler District Fighter. Et voilà, et ça termine sur des titres un peu plus doux, un peu plus planants. Donc je trouve que la structure globale, c'est plutôt bien amené en fait. Ça arrive. C'est vrai qu'on a souvent des projets où ça s'enchaîne parfois un peu bizarrement, où t'as un titre très énergique suivi d'un titre plus planant. Là, c'est un peu plus progressif. Donc ça, je trouve ça bien fait. Et voilà, en gros. Narges, qu'as-tu pensé de DAV toi aussi? Moi, je trouve ça très intéressant.
justement, pour revenir sur cette histoire de paranoïa et Oud, en fait, ça a sorti, enfin, c'est un titre qui finalement, on a les deux parties. On a la première partie, donc avec le côté plus, j'ai envie de dire, chanté, et la deuxième partie où on a le côté plus énervé de DAV sur le. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert DAV au tout début. Puis après, il y a eu des titres comme Parovi, etc., qui lui ont vraiment donné une autre dimension. Et le truc que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans les projets dont on parle et dont on va parler encore, on a des projets où à chaque fois c'est des univers très distincts et les artistes sont restés dans cet univers-là. Ils n'ont pas forcément fait des titres pour aller dans tel ou tel genre musical. Ils ne se sont pas dit il faut qu'on ait des titres pour faire danser les gens, etc. Ils ont vraiment fait des choses qui leur étaient propres et je trouve ça très très cool. On a souvent cité le morceau Parovi avec Damso. Il est sorti il y a quelques mois déjà en clip, mais pour ceux qui l'ont toujours pas entendu, extrait de Parovi. Ouais, je suis paro, 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 paro. Ouais, je suis paro, paro, paro. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier projet de DAV? Belle première. J'aime bien la guitare électrique sur Stup. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. C'est à préciser. Je ne sais pas, tu connais qui est le guitariste, le producteur au moins? Ah non, pas du tout, non. Et moi, je trouve que le mix est incroyable, même si je ne suis pas ingé, mais voilà. En tout cas, on va continuer avec Captain Roshi. Il a sorti son projet aussi qui s'appelle Attack. Et là, on va écouter le morceau qui a le nom du projet, featuring Kay Largo sur Move. C'est important. C'est important. Et on en reparle juste après dans After Rap. Restez connectés. Kay Largo, c'est important. Hey, je suis dans le deal, je le fais, c'est pour les sous. C'est pour les larmes. Tout le gang est méchant quand tu brilles. C'est important sur Move, c'était Captain Roshi accompagné du duo Kay Largo et le titre c'est Attack, extrait du projet du même nom, on va en parler. 20h-21h, After Rap. Move. Et ouais, c'est toujours After Rap avec moi, Narjet, Jenono, Yerim. Et donc ce vendredi 15 novembre est sorti le projet de Captain Roshi, ça s'appelle Attack, c'est son premier projet. Et pour en parler, vous êtes là, mais il y a également Yann avec nous. Salut mon pote, salut Yann. Ouais, salut, ça va? Yann, 17 ans, il nous vient du Mans et t'as écouté le projet de Captain Roshi. Tu vas nous dire ce que t'en as pensé dans un instant, mais d'abord, on va écouter l'avis de nos experts. On va attaquer par toi, Jenono, s'il te plaît. Dis-nous ce que t'as pensé de Captain Roshi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'attendais pas mal parce que pour moi, c'est un petit jeune avec beaucoup de potentiel. Je trouve que pour un premier projet, il montre déjà une identité artistique déjà bien marquée, bien présente. Ce qui est souvent le défaut des jeunes artistes quand ils démarrent, même si tu peux avoir les qualités techniques ou quoi, t'as pas forcément ce côté qui sert à se distinguer vraiment. Lui, il l'a, sachant qu'il a, en termes de prod, en fait, c'est très percutant et lui, je trouve qu'il ajoute encore de l'énergie avec tout le travail sur les gimmicks. Je trouve qu'il est très fort là-dessus. Après, il y a toujours des axes d'amélioration. C'est un premier projet. Je trouve que notamment sur les refrains, c'est pas toujours réussi. Mais dans l'ensemble, je l'attendais fort. Et pour moi, c'est un très bon premier projet. Et sur les projets qui sont sortis aujourd'hui, c'est clairement celui qui a le plus de potentiel, disons. C'est la belle surprise du jour pour toi. Pas surprise parce que, comme je te dis, je l'attendais. L'essai est transformé. D'accord. Narjes, toi, je reste à peu près sur la même idée que Jenono. C'est une belle attaque, en fait. On est... Magnifique, bien vu. Non, mais c'est y a un... Et puis c'est frais, en fait. C'est quand t'écoutes ça, tu te prends une bouffée d'air frais. En fait, il y a un truc très, j'ai envie de dire, agréable parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en ce moment, que sa voix elle est particulière et que ça marche hyper bien sur les prods qui ont été choisis pour un peu cassé grave et cassé. Ouais, un peu, c'est ça. Et puis la façon dont ça se pose, et typiquement le titre qu'on vient d'entendre avec Kay Largo, je trouve que c'est une config ultra explosive qui marche super bien, où ça s'équilibre super bien, et comme ils disent, c'est important, tu vois. Et pareil, le fait d'avoir fait l'autre feat, c'est de ouf avec Youvdi, je trouve que voilà, c'est il n'y a pas trop de feat, il y a 15 titres. C'est pas forcément des titres très très longs, mais c'est des titres qui sont, j'ai envie de dire, de bonnes attaques. Voilà. Dont 3 feats avec Kay Largo, Squeegee et Youvdi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Irène? Je serais peut-être juste moins enthousiaste, mais après c'est clair que pour un premier projet, ça se tient, c'est propre. Après, ça réinvente pas la roue, tu vois. Mais maintenant, ce qui est cool, c'est que pour un mec qui est quand même au tout début même de sa carrière, Il joue déjà assez bien avec sa propre voix, c'est-à-dire qu'il passe, par exemple, sur les deux
sur les deux premiers morceaux, t'as déjà un changement où tu peux presque avoir l'impression que c'est deux personnes distinctes. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Où t'as un côté voix cassée, un peu rauque à la Gradure, et t'as un truc beaucoup plus léger. Mmh. Et en fait, il jongle avec les deux à peu près. À sa volonté, quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'est cool. Après, je le trouve peut-être moins efficace quand c'est des instruments un peu minimalistes, tu sais. Où là, ça, enfin, tu vois, ça percute moins. Et pour le coup, je trouve que ça, vu que c'est pas non plus des textes de ouf à tous les morceaux. Non, ça c'est. Ouais. C'est, il est plus efficace quand les instruments l'accompagnent vraiment. Après, sur les textes, il y a un truc que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'il va parler de Bicrave comme beaucoup de rappeurs ou de meufs, mais sans être, je sais pas, sans se répéter, sans être relou, sans être lourd. Non, je sais pas. Moi, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il dit je suis pas DC, je préfère Marvel. Ouais. Ça je l'avais relevé aussi. Après il faut des rappeurs qui s'engagent, hein, Moi je suis Team Marvel aussi, mais je pense, même j'aime bien DC, je pense qu'il y a vraiment une guéguerre, mais bon. Non, mais plus Batman quoi. Clairement oui. Mais après non, mais après c'est comme tous les jambes. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais si quand tu disais il est moins lourd que d'autres ou quoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est un peu moins vulgaire, on va dire. Enfin, c'est un peu moins évident. Même des fois, alors pas tout le temps non plus, mais tu vois, on parlait de meuf tout à l'heure, quand t'as le côté, à un moment donné, il dit « t'es belle, mais t'es sotte », tu vois. Alors que clairement, tu vois, un autre, je dis « t'es bonne, mais t'es conne », tu vois. Que les... Et tu sais, ça aurait été la rime que t'as déjà entendue 97 fois dans ta vie, etc. Donc t'as des trucs comme ça. Par contre, alors c'est vrai que la première énorme faute de goût, c'était DC versus Marvel. Et la deuxième, c'est quand même un truc inexplicable pour moi. À un moment, il dit « embrasse que ma bite, je veux pas d'herpès ». Enfin, soit on l'a très mal renseigné, soit c'est très étrange. Bah, il veut pas que ça se voit, peut-être, c'est tout. Ah. Alors, fallait le formuler comme ça, mais, voilà. Mais c'est un souhait qui est très étrange quand même dans la vie d'un homme, on va dire. Allez, mais voilà. On va demander en tout cas à Yann, donc 17 ans du Mans, ce qu'il en a pensé. Allô Yann. Allô Yann, alors qu'as-tu pensé de l'avis de nos experts sur Attaque, le projet de Capitaine Roshi, et c'est quoi ton avis à toi? Bah, globalement, ils ont raison. Il apporte du nouveau, il est très dynamique, et il envoie du lourd. Bah, moi, je l'ai connu avec Kirikou sur Game Over 2. Ok. La compile. Ouais, bien sûr. Et après, bah, j'ai kiffé direct, j'ai attendu l'album aujourd'hui, bah, c'est vraiment pas mal. C'est un nouveau artiste, il ramène du nouveau, ses gimmicks, ses punchlines, tout est bien fait. Qu'est-ce que t'avais kiffé au début, sa voix, c'est ça? Ouais, ça voit, voilà. Ouais. Ça voit. Quand il a une voix un peu. On dirait qu'il a un chat dans la gorge. C'est ouais. Bien. Ouais. Non, mais j'avoue, c'est important d'avoir un grain de voix pour se démarquer. Et t'allais dire autre chose, ouais, qu'est-ce que tu kiffes aussi? Bah, sa façon de faire. C'est technique. Par exemple, dans le crime chant, quand il dit Nasa, je suis dans la surface, bah là, ça m'a fait danser alors que c'est un rap. Alors c'est du rap, c'est pas de la. Je vois ce que tu veux dire. Donc t'aimes bien sa façon d'écrire, ses punchlines, ouais. Et son flow. Ses gimmicks, ouais, son flow, surtout dans le clip Attaque avec Kelargo. D'ailleurs Kelargo, c'est un rappeur que j'aime bien aussi. Ouais, aussi, ils sont chaud Kelargo. Ouais. On les retrouvera bientôt sur Move. Bah, merci à toi en tout cas pour ton intervention. Tu voulais rajouter autre chose, Yann? Oui, non, je vais juste dédicacer des gens. Vas-y. Dédicacer mes potes, la bringue, Jack, Yann, Jack, Yves Roland, tout ça. Adjakadi, Genava, des potes à moi, je dis que dédicacer. Et dédicacer les rappeurs du Mans, la NE et la BR. Et Blackie aussi, Blackie 10. Et ben gros big up à eux, big up à toi également. Yann, merci d'avoir participé à After Rap, tu reviens quand tu veux, frérot. On va poursuivre avec l'album de l'album c'est Insomnie. On parlera également de Pins et Dime avant la fin de l'émission. Bref, restez connectés, c'est After Rap. After Rap Move. Et on poursuit dans After Rap avec les sorties des albums sortis ce vendredi 15 novembre. Et dans les sorties, il y a eu le projet Candy Ballers 1 de JMKS. Yérim, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, c'était sympatoche. Après, c'est comme t'as dit, c'est un... Non, d'ailleurs, tu l'as pas dit. Mais c'est pas un album, tu vois, c'est plus format EP. Ouais. Donc c'est assez court. C'est un 8 titres, c'est ça? Je crois bien, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est un jeune rappeur qui s'essaie à plein de styles. En fait, tu sens qu'il se fait kiffer avant tout.
Et là, pour le coup, c'est un style beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus pop, beaucoup plus chanté. Il y a des morceaux, des morceaux entièrement chantés, la plupart même. Ça tire parfois vers le planant, parfois vers des ambiances beaucoup plus légères, en fait. Et dans le même temps, genre là, dernièrement, tu vois, avec, avec ces gars et avec notamment The, ils sont tapés un trip où ils ont repris un délire qui est plus proche de la drill britannique. Donc évidemment, en fait, si tu t'attends à un JMKS qui va débiter, kicker sur des instruments un peu minimalistes, ouais, c'est pas du tout ça. Mais ouais, je trouve ça assez marrant. Tu sens que il s'est dit, bah vas-y, je vais me faire un délire dans cette direction-là. On verra bien, machin. Donc voilà, c'est pas forcément la partie que j'apprécie le plus chez lui, mais c'est pas dégueu non plus. C'est sympa. Il y a un titre qu'il a balancé. En tout cas, il a balancé le clip de Gelato. Gelato, ouais. Gelato, charbette ou la putain, j'suis dans le die. J'prends l'avion sans destination quand j'ai envie d'aller. J'flex dans le club, je veux mon verre, je veux être bleu. Voilà, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, alors, de ce projet de JMKS, donc, qui s'appelle, on le rappelle, Candy Ballers, donc qui a un rapport avec les bonbons, c'est pour ça que ce premier titre s'appelle Gelato. Ouais, Gelato, c'est une glace, je crois. Il me semble. C'est une glace. Ouais, pas voilà. Que. Enfin bon, pas que, mais voilà. Que, c'est un truc de gel, quoi. Je pense que c'est plutôt du jelly, une espèce de truc comme ça. Ouais, c'est bon. Bah. Explique-nous ce que c'est, Yérim. Non, vas-y. Non, c'est de la glace, c'est de la glace. C'est pour toi, c'est cadeau. Ok. On est dans les candies, on est parti, c'est les sucreries, quoi. Et en plus, moi, j'en rajoute. Des petites sucreries, vas-y. Non, je pense un peu comme Yérim, c'est cool de s'essayer à plein de choses très différentes. Là, on est clairement sur un projet avec des titres relativement courts, un peu dans la veine de ce qui peut se faire aux États-Unis avec toute la génération d'artistes, je pense notamment à Baby Kim ou des Lil Moisés ou des choses comme ça, donc avec un côté plus candy un peu, enfin tu vois, sucrerie, c'est léger, c'est doux et voilà. À suivre, quoi. À découvrir, ouais. Et à suivre les futurs projets. On va parler maintenant de l'album Prestige, le projet Prestige de ATK et Ultimatum. Le projet, c'est l'âge de bronze. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, ouais. Alors, c'est une réunion de deux collectifs maintenant qui sont des anciens. Donc ATK, tu vois, rap des années 90, Ultimatum, on va dire rap des années 2000. Et ils s'étaient déjà mélangés de ouf et côtoyés à l'époque, parce qu'en fait, Prestige, donc le nom de leur collectif, c'était de base le nom d'une mixtape en 99, voire 98, je sais plus, où ils se mélangeaient déjà, c'était déjà ATK plus Ultimatum, d'accord, plus encore d'autres gens. Et donc, je sais pas, je vois ça un peu comme les Expandables, tu vois, c'est des mecs qui niquaient tout dans les 90s et qui disent, allez, venez, on se fait une réunion d'anciens, on se fait plaisir, etc. Est-ce que ça marche? Après, parce que ça marche, Expandables. Le truc qui marche bien, c'est qu'ils ont pas fait la connerie de faire que des sons à l'ancienne. T'as effectivement celui qui a été clippé, qui est comme ça, mais il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du projet. Par exemple, t'as un son qui s'appelle Body Bag, qui est plutôt dans les tendances plutôt actuelles, modernes, etc. Mm-hmm. Et il faut savoir que le nom, l'âge de bronze, en fait, ça vient de... En fait, c'est dommage que Fif soit pas là. C'est que si tu te rappelles, à un moment, on avait parlé d'ATK. Ouais. Je sais plus, moi j'allais te dire, bah oui, ATK, tu vois, ils ont fait Heptagone, c'est un classique. Ah oui, c'est et Fiche, était en bah non, parce qu'il n'était pas disque d'or, machin. Et il avait dû sortir une vanne du style, bon, ben l'âge de bronze, ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est de là que leur est venu le titre. En tout cas, c'est Test qui m'avait expliqué ça l'été dernier, parce que ça les avait fait marrer, en fait, tu vois. Et donc voilà. Mais ouais, si. Pour les nostalgiques et les autres, c'est sympa. Et en plus, ils ont quand même réussi à rameuter beaucoup de gens, parce qu'il faut préciser que c'est des collectifs qui sont tentaculaires, tu vois. Pour ceux qui voient pas Ultimatum, c'est les mecs des Ulysse, tu vois, de Gros Dash, Affix et PKR. Ils sont vraiment nombreux. ATK, pareil, nombreux aussi. Et ils sont à peu près tous là. Donc, ça, c'est cool. Voilà.
Ok. C'est cool. T'es du même avis, Genono, t'as kiffé aussi? Ouais, bah pareil, ouais, j'ai kiffé. C'est un projet assez court. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui se fait plus du tout et qui est presque anachronique aujourd'hui, c'est qu'à la fin du projet, t'as 3-4 instrus des morceaux précédents, quoi. T'as les phases B, en fait. Donc ouais, c'est assez marrant. Après, le projet est cool, mais ça fait plaisir d'entendre certaines voix. Ça fait un peu, il y a un peu un côté Madeleine de Proust, en fait, pour les gens qui les ont écoutés à l'époque de leur grandeur, notamment. Et voilà. Et puis, en plus, le projet commence sur un couplet de Fréco Dingue. Et moi, mon interrogation, c'était est-ce qu'il va être là ou pas ? Parce que tu sais jamais trop si il va participer ou s'il est dans autre chose. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de voir qu'il était là dès le début et qu'il est plutôt pas mal présent sur la suite du projet. Donc, ouais, j'ai trouvé ça cool. Et effectivement, t'as pas trop le côté. Le côté presque passéiste auquel t'aurais pu t'attendre t'as un peu la balance entre les deux, donc surtout dans une journée comme ça où il y a eu plein de projets de mecs super jeunes de la nouvelle génération, voir un projet un peu d'ancien comme ça, ça fait plaisir, ça fait du bien, ouais. Aussi, alors allez jeter une oreille sur Prestige, ATK et Ultimatum, le projet c'est L'Âge de Bronze. Allez, j'ai un truc à rajouter, mais ça n'a rien à voir, tu sais, il y a eu un concert de Jul à Bercy, ouais. Et ils ont fait une reprise de, attends, parce que je sais, malheureusement je me suis foiré, un concert qui s'est mal passé d'ailleurs, incident. Mais voilà, avec eux sans foirer, ils ont repris Mendiant de l'amour, qui est une chanson d'Enrico Macias, et Enrico Macias les a relayés sur son Insta. Mais non. Ce qui m'a appris deux choses. Déjà, non. Enrico Macias est sur Insta. Et ça lui a plu, apparemment. Donc, ils ont fait une reprise auto-tunette. Mendiant de l'amour, c'est pas donné. Je connais pas assez. J'étais pas au concert. Mais donc, je connais pas assez. Je pourrais pas te la rechanter, tu vois. Mais ouais, apparemment, Enrico a validé. Bah, bien sûr qu'il valide. Il est repris par Jul. Il se dit qu'il est en plein dans la. Dans la jeunesse, que ces musiques traversent les générations, il a raison. Après, c'est marrant parce que tu vois que les influences de Jul, elles sont vraiment dans des trucs que t'attends pas forcément. Enrico, quoi. Mais il a raison. Le Mendiant de l'amour, c'est un des plus gros classiques d'Enrico. Ouais, mais t'attends pas forcément un rappeur français superstar là-dessus, quoi. faut pas avoir trop d'attentes, je pense. Hein. Mais oui. C'est ça la beauté du rap, on peut aller piocher n'importe où. On va parler de Pins et Dime dans un instant, ils ont sorti leur projet Nindo 2. Mais d'abord, il y a Sneezy qui a sorti le titre J'attendais. Ça aussi, on va en parler sur votre radio Hip Hop Sur. Restez connectés, c'est toujours After Rap avec moi, Narges, Genono et Yérim. After Rap. Move. Le dernier Sneezy, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que t'as pensé, Narges ? T'as bien aimé ? Toi, t'aimes bien Sneezy ? Je sais que t'aimes bien Sneezy. Moi, j'aime bien Sneezy. Ouais, j'aime bien, je trouve ça intéressant, je trouve que le titre est cool, voilà, sur les derniers titres qu'il a pu sortir, je trouve que ça s'enchaîne. Non stop, schéma, voilà, ouais, c'est ça, il y a un bel enchaînement depuis ces derniers mois, et voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Alors qu'il envoie souvent des morceaux où il kick pas mal, là il a envoyé un morceau un peu plus smoothie. Bah, je trouve qu'il est un peu entre les deux ces derniers temps, il y a des morceaux où il dit justement, comme sur Jean Cass, il dit voilà, moi je sais pas faire de refrain, je fais que des couplets ou un truc. Enfin, c'est bien ça d'ailleurs. Voilà, mais on est un peu entre les deux en ce moment, à savoir, il y a des titres très mélodieux, très aériens comme celui-ci, et des titres qui sont un petit peu plus kickés. Mais c'est vrai qu'il y a un côté plus lumineux la plupart du temps dans toutes les productions qu'il y a pu y avoir sur les derniers titres. T'as bien aimé Genono ? Comme sur Non Stop, je l'ai pas vraiment écouté, donc je saurais pas dire, mais j'ai jamais donné ce qu'on a entendu hors antenne, c'était pas désagréable, mais après, je pourrais pas t'en parler plus. Quoi. Voilà. Bon, bah, est-ce que tu peux me parler plus de Pins et Dime? Oui, je peux t'en parler. J'attendais. Voilà, c'est ça. Je suis un petit peu déçu parce que leur précédent projet date de, je crois, à peu près 18 mois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'attendais une vraie progression, en fait. Je me suis dit, ils prennent leur temps. Peut-être que c'est pour aller vers quelque chose d'un peu différent et aller vers quelque chose d'un peu plus haut. Et pour le coup, je trouve que, notamment en termes de direction artistique, ça manque un petit peu de caractère. T'es dans un peu à mi-chemin entre le rap et un peu la tendance un peu pop urbaine. Mais sans qu'il y ait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de décision franche, que ça ne va pas spécifiquement dans l'un ou dans l'autre, et j'aurais aimé une direction artistique peut-être un peu plus franche. Donc pour moi, ça manque un petit peu de ce côté-là. Après, il y a quand même des morceaux intéressants. Il y a un morceau qui s'appelle Milli Vanilli, notamment, que j'ai noté dans les points positifs, qui est un
peut-être un petit peu plus nerveux, un peu plus intéressant pour moi. Mais voilà, c'est vrai que j'attendais autre chose, disons, sur ce projet-là. Dimé, il ne faut pas confondre avec le Dimé le Suisse. Hein. Non. Non, rien à voir. Là, c'est le 7-7. Là, ça vient du 7-7. C'est presque aussi loin. Mais serait la question, presque un peu de choses près. Tu vas nous dire un mot, Yérim, également sur le titre de le dernier morceau de Sadek. Ça s'appelle Roulette Russe. C'est pas avec moi que tu vas parler de mœurs. Toi qui écartes les cuisses pour un menu McFerse. Là, je veux départager une pensée. T'aimes bien, là, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais. De toute façon, sur les roulettes russes, Sadek, il se fait plaisir, tu vois. Il kick et il enchaîne les punchs. Là, du coup, la dernière, elle est dédicacée à Roman. Mais en gros, ouais, tu vois, il se met bien. C'est ce qu'il avait prétendu, il avait prévenu, il avait été assez clair. Quand son dernier projet en mode Brésil avait pas du tout pris et qu'en plus, les gens se foutaient un peu de sa gueule et tout, il a dit non, mais vous inquiétez pas. Quand je veux, je reviens au rap et voilà, y a pas de souci, tu vois. C'était quoi ? C'était peut-être un planète rap de Nino où il avait juste, il avait freestylé. Je sais pas si c'était Nino ou un autre qui l'avait invité, mais en gros, tout le monde s'était rappelé que oui, de base, Sadek, ça reste un mec qui sait débiter, qui peut te mettre des phrases choc quand il veut, etc. D'accord. Donc ouais okay. Cool. Bon, en tout cas, validé. On attend le projet. On sait c'est quoi le futur projet de Sadek ? Ça arrive quand ? Non, pas du tout. Moi, je suis qu'un enfant, pour l'instant. Je suis pas au courant. Et pour l'instant, il fait quoi ? Il envoie les roulettes russes et ça veut dire qu'il va arriver avec du sale d'ici pas longtemps. On sait pas. Y a premier sur l'exclu. Premier sur l'exclu, ouais. Il y a le A aussi qui va sortir, qui a sorti projet. Le A qu'on retrouve pas mal autour du S. Ouais, c'est ça, voilà. le A, le S. Ça va ensemble. Ouais, ça s'appelle Insomnie, donc ouais. C'est dispo depuis ce vendredi. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un projet assez bien pensé dans sa globalité, dans le sens où il y a un vrai univers en termes d'ambiance musicale, aussi au niveau de la proposition, dans la voix, la façon dont les titres se succèdent, c'est plutôt bien réussi. On retrouve notamment SCH sur plusieurs titres de ce projet, dont le morceau Cursus, qui est l'un des titres que j'aime pas mal, que je trouve très très réussi. Et il y a un autre titre aussi où je trouve que pour le coup il est assez agréable à écouter et je trouve ça très prometteur, c'est Baby Mama, si je dis pas de bêtises, qui est un titre plus pop chanté, avec un côté un peu plus sonorité latine et je trouve que alors c'est peut-être difficile de pas le comparer à SCH aujourd'hui parce qu'il est clairement j'ai envie de dire dans un spectre, que ce soit même au niveau de l'identité sonore ou de la façon dont il est capillaire aussi. Ouais, il y a un truc où c'est difficile de les pour le moment un peu tu as toujours ce truc de reconnaissance et de résonance mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le A sur ce titre Baby Mama où là on est plus sur un truc très ouvert, très chanté, voilà. Eh bien, merci à toi, Narges, merci à Genono, merci à Yérim également d'avoir participé à ce nouveau numéro d'After Rap. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura de l'actu la semaine prochaine avec To The Kid ou Niro ou encore Ico et IAM qui sortent leur projet. J'ai vu un truc, vu une pub, mais c'est pour, vas-y. Une chaîne de fast-food, du coup, je vais pas dire le nom. Ou qui faisait la pub pour un burger charolaise, enfin tu vois, steak, je sais pas quoi. Ouais. Et il y avait, en fait, t'as des mains, Renoir, qui tiennent, et là t'as marqué charo. Et j'espère vraiment que Niska a pris un billet dessus, parce que sinon c'est juste des mecs qui ont surfé sur le truc. Après, voilà. Ils surfent un peu tard. Ouais, mais bon. Mais il y a de l'idée. Bon, et voilà, on ira manger de la viande charo. Bah, normalement, non, il a déposé, c'est sa marque. Ah bah ouais, j'avoue. Il y a peut-être un truc à faire. Eh ben on va se quitter là-dessus et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Merci à toi Yeri, merci à toi Genono et merci à toi Narges. Excellente soirée à vous tous et merci à Lilian et Yann aussi qui ont participé via le téléphone. Excellente soirée à vous tous sur Move. Tu es connecté sur Move.